Bonjour à tous et merci de me retrouver pour ce neuvième épisode de Salut les rouflaquettes. C'est le troisième enregistré pendant le confinement et on va pas se mentir, ça casse un peu les couilles. Euh, moi, à la base, j'avais imaginé cette émission comme un genre de talk-show et c'était l'occasion pour moi de me marier avec des potes. Et là, bah, c'est un peu difficile, quoi. Parce que du coup, c'est vrai que j'ai moins envie de préparer les émissions. Je veux pas griller des, des sujets entre guillemets, euh, les griller en les faisant tout seul. Parce que je sais que ce sera mieux avec des gens pour rebondir sur ce que je dis. Mais là, bah, c'est pas possible. Et du coup, aujourd'hui, bah, je ne savais pas trop de quoi parler et je me suis dit que j'allais vous parler du daltonisme. En gros, être daltonien, c'est confondre les couleurs. Je n'avais pas forcément prévu d'en parler dans Salut les rouflaquettes, mais comme je suis daltonien, bah, c'est l'occasion d'expliquer un peu ce que c'est en vrai d'être daltonien et ce que ça change dans la vie de, de tous les jours. Euh, spoiler, ça change rien. Enfin euh, si, ça change un petit peu, mais euh, on aura l'occasion d'en reparler sans plus attendre. Donc euh, voici le sommaire de l'émission. Avant de parler de daltonisme, on va s'intéresser à la couleur. Euh, Qu'est-ce que c'est Comment on la voit On va revoir tout ça. Qui a découvert que certains ne voyaient pas les couleurs comme les autres Pourquoi certains mutants ont ce super pouvoir Qu'est-ce que les daltoniens ont en plus ou en moins Je vais essayer de vous expliquer ça. Saviez-vous qu'il y a plusieurs types de daltoniens je vais les passer en revue, ça risque de vous surprendre. Est-ce que vous-même vous êtes daltonien Si vous ne savez pas, c'est probablement que vous ne l'êtes pas. Je vais vous présenter les tests qui sont faits pour savoir si on est daltonien ou pas. Et pour finir, je vous parlerai de mon quotidien de daltonien. Vous verrez que bah, c'est un quotidien quand même euh, dans l'ensemble euh, assez classique. Donc avant de commencer déjà, euh, ça s'entend peut-être... Pas, mais ça risque de s'entendre un petit peu euh, en ce moment. Il y a beaucoup d'allergènes dans, dans les airs, et même si on est confiné, euh, ben, je passe pas à travers euh, des mailles du filet. Donc, euh, je vais essayer de faire en sorte de, de pas trop renifler, mais si, si je le fais, je m'en excuse par avance parce que c'est vraiment dégueulasse. Et euh, avant de commencer, donc là, on va parler euh, de la couleur. Il va y avoir des notions un petit peu chaudes euh, en question physique dans, dans cette partie. Mais c'est vraiment pour situer un petit peu les, les personnages qui font les découvertes. Si, si vous ne comprenez pas, euh, entre guillemets, ces notions n'apportent rien à la compréhension de la couleur. Donc notre histoire, elle commence autour des années 1700 avec Isaac Newton. On ne va pas se mentir, Newton, ce n'était pas la moitié d'un con. Euh, si en physique, à l'école, vous avez déjà fait de la mécanique, euh, mécanique dans le sens mouvement, pas mécanique dans le sens réparation de véhicules, euh, vous êtes sûrement familier, vous avez sûrement, sûrement déjà entendu les trois lois de Newton. Donc vite fait, je vous les rappelle, la première loi de Newton, c'est le principe d'inertie. Euh, tout corps persévère dans l'état de repos ou de mouvement uniforme en ligne droite dans lequel il se trouve, à moins que quelques forces n'agissent sur lui et ne le contraignent à changer d'état. La deuxième loi de Newton, c'est le principe fondamental de la dynamique de translation. Les changements qui arrivent dans le mouvement sont proportionnels à la force motrice et se font dans la ligne droite dans laquelle cette force a été imprimée. Et la troisième loi de Newton, c'est le principe d'action-réaction l'action est toujours égale à la réaction, c'est-à-dire que les actions de deux corps l'un sur l'autre sont toujours égales de sens contraire. Newton, ce n'est pas que la mécanique, c'est aussi les maths. Par exemple, euh, il a découvert le calcul intégral et le calcul différentiel, il a découvert ou il a inventé avec les maths, on ne sait jamais ce qu'il faut dire. Euh, c'est arrivé en même temps que Leibniz, qu'il avait découvert lui aussi de son côté. Donc ils il se battent un petit peu sur la paternité, enfin ils se battent. Euh, Aujourd'hui ils sont morts, donc ils s'en tapent, mais à l'époque ils se battaient un petit peu pour savoir qui avait découvert en premier, mais en fait il se trouve qu'ils l'ont découvert relativement en même temps et euh, sans jamais euh, savoir que l'autre travaillait aussi sur le sujet. Euh, donc calcul intégral, calcul différentiel, ça doit rappeler des bons souvenirs à ceux qui ont fait une terminale S. Euh, c'est aussi euh, Newton qui a inventé la gravité, euh, parce qu'avant lui, tout le monde sait qu'on flottait dans les airs. Euh, donc plus sérieusement, c'est lui qui a théorisé la, gra la gravitation universelle qui a été remplacée par la relativité générale d'Einstein plus tard. Mais on s'éloigne un petit peu du sujet de la couleur. Donc, Newton, c'est aussi un pionnier en matière d'étude de la vision des couleurs. C'est lui qui a découvert le spectre de la lumière. C'est le fait que la lumière blanche, elle est composée de, des lumières de l'arc-en-ciel, en gros, enfin euh, des couleurs de l'arc-en-ciel. Et il euh, remarque quelque chose. Euh, L'œil humain ne sait pas distinguer une combinaison de couleurs. Si on prend un faisceau de lumière vert et un faisceau de lumière rouge et qu'avec, on éclaire un objet blanc. Ben, l'œil humain il va voir une couleur cyan, une couleur pure, il ne va pas distinguer que c'est un mélange de deux couleurs. Alors ça peut vous sembler évident que, ce, que ça se passe comme ça, mais en fait, euh, si on y réfléchit, c'est vraiment une preuve d'à quel point l'œil n'est pas parfait. Puisque si on parle plutôt oreille, euh, si jamais je vous joue un Do, euh, ben vous allez entendre un Do, si jamais je vous joue un Mi, vous allez entendre un Mi, je vais vous le faire. Donc j'espère que vous entendez, je vais essayer de faire plus fort. Donc là, je vous joue un Do. Là, je vous joue un Mi. Si je joue les deux en même temps, votre oreille distingue euh, les deux notes jouées. Vous n'entendez pas un Ré. Mais ça, c'est pas du tout vrai pour les yeux. Pour les yeux, euh, les yeux si y a, comme, comme je vous l'ai dit, si jamais il y a une lumière rouge et une lumière verte, votre œil ne va pas distinguer que l'objet est à la fois vert et rouge, il va distinguer que l'objet est cyan. Euh, donc euh, on va s'arrêter là pour Newton, on va aller 100 ans plus tard avec le physicien Thomas Young. Euh, Thomas Young est notamment célèbre pour l'expérience des fentes de Young, qui ont mis en évidence le caractère ondulatoire de la lumière. En 1801, euh, Thomas Young expose sa théorie de la vision trichromatique. Trois couleurs doivent suffire pour recréer toutes les autres couleurs. En 1802, il propose que la vision des couleurs résulte de l'excitation de trois types de récepteurs dans les yeux. Et en 1807, il donne pour couleurs primaires le rouge, le vert et le violet. Aujourd'hui, on sait comment fonctionne la vision. Euh, en fait, il y a deux types de récepteurs qui tapissent le fond de l'œil. Il y a les cônes et les bâtonnets. Les bâtonnets, euh, ils n'ont pas, pas besoin de beaucoup de lumière pour fonctionner et ils servent surtout à distinguer les formes. Euh, C'est pour ça qu'on euh, peut voir un petit peu dans la pénombre, dans l'obscurité, et on voit surtout en, en noir et blanc, enfin en échelle de gris. Et euh, les cônes servent à voir les couleurs. Il y a trois familles de cônes. Il y a ceux qui détectent le vert, ceux qui détectent le rouge et ceux qui détectent le bleu. On doit le mot Daltonien à un physicien anglais qui a vécu entre 1766 et 1844, John Dalton. Mais j'imagine que depuis bien longtemps, on s'est rendu compte qu'il y a des gens qui avaient plus de mal que d'autres avec les couleurs. Euh, donc, je ne sais pas de quand date la découverte du daltonisme, mais en tout cas, c'est John Dalton qui a donné son nom euh, après sa mort, il me semble, euh, au daltonisme. Donc, John Dalton, c'était un physicien qui un jour, il s'est rendu compte qu'il voyait pas les mêmes couleurs que le reste de la population. Il se rend compte aussi que son frère a le même problème et il conclut donc que ça doit être un problème génétique et c'est le cas. C'est pas un problème génétique, mais en tout cas, c'est euh, être daltonien, c'est génétique. Euh, c'est un gène qui est responsable de ça. Euh, il a demandé à sa mort qu'on qu fasse une autopsie de ses yeux parce qu'en fait, lui, il pensait que le problème venait du liquide qui est dans l'œil, l'humeur vitrée. Et il pensait que l'humeur vitrée euh, des daltoniens fait, était colorée en bleu, et ce qui fait que ça, ben, ça perturbait un peu la vision des couleurs. Euh, donc, c'est pas du tout le cas. Euh, Daltonisme, c'est bien un problème génétique. Ça vient d'un gène présent sur le chromosome X. Euh, vous le savez sûrement, mais euh, les, les femmes ont deux chromosomes X et les hommes ont un chromosome X et un chromosome Y. Euh, donc un homme qui porte le gène de daltonisme, il est forcément daltonien, mais une femme peut avoir le gène sans, avoir, euh, sans être daltonienne. Euh, parce qu'en fait, c'est un gène qui n'est pas dominant, c'est un gène qui est récessif. Donc euh, si, on a, euh, si on a le gène sain, entre guillemets, on n'est pas daltonien. Ce qui fait qu'une femme qui a... Un, gène, un chromosome X avec le gène sain et un chromosome X avec le gène daltonien, elle ne sera pas daltonienne. Euh, c'est pour cette raison que d'ailleurs il y a beaucoup moins de femmes qui sont touchées que les hommes, puisqu'on estime que 10% des hommes sont touchés, contre 0,5 à 1% des femmes. Donc ok c'est du un gène, mais qu'est-ce qui ne fonctionne pas En fait c'est un problème avec les bâtonnets qu'on a vu tout à l'heure, euh, et le problème ça dépend du degré de daltonisme il y a trois types de bâtonnets euh, pour les bleus pour la lumière bleue la lumière verte et la lumière rouge et euh, on verra ça après mais il y a deux grands groupes deltoniens, de en fait il y a ceux qui ont un type de bâtonnet qui est absent donc ça c'est facile à comprendre si le bâtonnet n'est pas là mais la couleur n'est pas vue si quelqu'un n'a pas de bâtonnet bleu ben, il ne peut rien voir qui contient du bleu euh, mais il y a aussi des eltoniens comme moi et comme la plupart qui en fait ont un type de bâtonnet qui fonctionne mal et qui ne s'active pas vraiment au bon moment euh, dites-vous que la lumière en fait elle est rangée comme sur une règle dans l'ordre de l'arc-en-ciel, violet, indigo, bleu, vert, jaune, orange, rouge. Vos bâtonnets bleus, ils vont être très excités dans le bleu, un peu moins dans le violet et encore moins ailleurs. Les verts très excités dans le vert, un peu moins dans le jaune et dans le bleu, très peu ailleurs et les rouges très excités dans le rouge, et un peu moins dans l'orange et très peu ailleurs. Essayez de visualiser ça. Par exemple, en gros moi, j'ai les bâtonnets verts qui déconnent. Ils sont excités trop près du rouge et pas assez dans le vert. C'est-à-dire que quand mes yeux reçoivent du bleu, j'ai mes bâtonnets bleus qui s'activent fort, mes bâtonnets verts et rouges qui s'activent un peu, résultat, mon cerveau voit du bleu. Quand mes yeux reçoivent du vert, mes bâtonnets bleus et rouges s'activent un petit peu, et mes bâtonnets verts, ils s'activent un petit peu aussi. Et donc, mon cerveau voit un vert très saturé, presque gris. Et quand mes yeux reçoivent du rouge, mes bâtonnets bleus s'activent un peu, mes bâtonnets verts et rouges s'activent fort, et résultat, mon cerveau il voit une sorte de mélange entre le vert et le rouge. Voilà ce qui se passe dans les yeux d'un daltonien encore une fois, ça dépend du type, mais c'est à peu près toujours comme ça. Euh, donc, avant de voir les différents degrés d'altonisme, je vais juste vous expliquer d'où viendrait ce super-pouvoir. Euh, des chercheurs ont remarqué qu'il y avait plus de daltoniens sur les côtes italiennes que dans les terres. Et une hypothèse, donc, ce serait que les hommes ont évolué pour, permettre, pour leur permettre de mieux distinguer le poisson. Car il faut savoir que les daltoniens sont capables de voir des couleurs que les non-daltoniens ne voient pas, et notamment des distinctions plus fines entre le bleu et le gris. Donc, quelque part, nous, les daltoniens, on est un petit peu des X-Men. Enfin, pas tous les daltoniens non plus, parce que comme j'ai dit, il y a plusieurs niveaux de daltonisme et même de, vision, de, de niveau de vision de couleurs. Donc, le pire du pire, ça s'appelle l'achromatopsie. C'est l'absence complète de vision des couleurs. Ça touche environ une personne sur 33 000. Et dans certaines formes, l'achromatopsie est accompagnée d'une photophobie, c'est-à-dire le, le fait euh, que la lumière soit désagréable et puisse entraîner des migraines, et euh, une, une acuité visuelle très réduite, donc moins de 2 dixièmes. En fait, ces gens, ils sont presque aveugles. Quoi. Ils ne voient pas très bien et ce qu'ils voient, c'est sans couleur. Et après, selon le bâtonnet qui merde, ça porte un, un nom différent. Euh, pour les Daltoniens qui ont le bâtonnet vert qui déconne, comme moi et comme 50% de Daltoniens à peu près, on parle de deutéranomalie. Et si le bâtonnet est absent, on parlera de deutéranopie. De Je vais y arriver. Ensuite, les Daltoniens qui ont le bâtonnet rouge qui déconne, on parle de protanomalie. Et de protanopie quand le bâtonnet rouge est absent. Et pour le bâtonnet bleu, on parle de tritanomalie et de tritanopie si le bâtonnet est absent. Il y a aussi des espèces animales, on sort un petit peu du, du cadre, mais qui sont, euh, on appelle ça tétrachromates, c'est-à-dire qu'ils ont quatre types de bâtonnets et donc ils peuvent voir plus de nuances de couleurs. En général, c'est beaucoup les insectes qui sont capables de voir euh, des nuances qui sont dans les rayons ultraviolets. Euh, mais il y aurait aussi des humains qui seraient euh, très tétrachromates, surtout des femmes. Euh, mais très peu auraient la possibilité, il y aurait 1% de femmes qui seraient euh, tétrachromates et très peu auraient la possibilité de se servir du quatrième bâtonnet. Et ce quatrième bâtonnet-là, il ne servirait pas à avoir des UV, mais plutôt à avoir d'autres nuances de couleurs. C'est-à-dire euh, euh, des teintes de couleurs que pour nous ce seraient les mêmes si, imaginons... Euh, de deux de morceaux de tissu qui pour la plupart des gens auraient la même couleur, euh, ben en fait peut-être que certaines personnes pourraient distinguer les deux couleurs euh, parce que justement elles ont plus de, de bâtonnets. Donc comme je vous le disais euh, en début de démission, il y a de fortes chances que si vous ne savez pas si vous êtes daltonien, c'est que vous n'êtes pas daltonien parce que normalement vous avez été testé dès la maternelle. Le test le plus répandu, c'est d'ailleurs le seul que je vais aborder, c'est le, le test d'Ishihara donc, il a été mis au point par Shinobu Ishihara, c'est un médecin japonais qui est né en 1879 et qui est mort en 1963. Vous avez sûrement déjà vu ces planches d'Ishihara, c'est des planches avec des points de couleur qui forment un, un cercle, même un, un disque, puisque c'est un cercle qui est plein de, de points de couleur. Et les points, ils ont tous une couleur à peu près semblable, sauf certains à l'intérieur qui forment des, des nombres. Et si vous êtes daltonien, ben, vous n'arrivez pas à voir ces nombres-là. Il y a des versions pour enfants qui sont en général des chemins qui traversent le cercle ou des formes à distinguer euh, comme des carrés ou des triangles qui sont dans ce cercle-là. Et en général, c'est fait en, en maternelle ou, ou début primaire. Moi, je, je me rappelle très très bien de quand j'ai passé ces tests, mais parce que moi, je, je savais déjà que c'est daltonien, comme c'est génétique. Euh, moi, dans ma famille, mes parents ont eu six enfants, cinq garçons, et les cinq garçons sont daltoniens. Donc, comme je suis arrivé quatrième euh, des, des garçons. Ben, il y avait de fortes chances que, que j'ai le gène c'est mon grand-père qui est daltonien qui nous l'a transmis par ma mère euh, donc euh, les planches d'Ichihara, en fait le test il y a 25 planches mais euh, aujourd'hui on peut en trouver d'autres qui ne sont pas dans, dans les planches faites par euh, Shinobu Ishihara mais qui sont dans le même style euh, des cercles avec des points de couleur bon être daltonien est-ce que c'est difficile au quotidien ben, en fait euh, pas vraiment il y a certains métiers qui sont pas ou peu accessibles. Selon Wikipédia, je cite certains métiers nécessitent de déterminer correctement certaines couleurs. Par exemple, les pilotes de ligne, les contrôleurs aériens, les agents de sûreté, opérateurs en imagerie radioscopique, euh, les contrôleurs ferroviaires. Ils sont souvent crus à tort que ces métiers sont purement interdits aux daltoniens. La réalité est plus nuancée. Pour accéder à ces métiers, il faut passer des tests de vision de couleur que certains daltoniens peuvent réussir, tout dépend en fait de la profondeur de leurs troubles altonien a donc tout intérêt à se renseigner précisément au moment de son orientation professionnelle sur la nature des tests effectués, ceci afin de déterminer réellement son aptitude à exercer ce métier. Fin de citation. Donc au quotidien, en fait, ben, ça ne change pas grand-chose. Euh, Ados, c'est vrai que je m'habillais souvent en blanc, en noir, en gris. Aujourd'hui, je mets un petit peu de couleur, mais sans plus. Là où c'est plus chiant, c'est quand la couleur est importante, quand, quand on choisit des fruits ou des légumes. J'ai du mal à distinguer, moi, les bananes entre les bananes vertes et les bananes jaunes. Euh, c'est un exemple parmi tant d'autres mais en fait pour la plupart des fruits c'est vrai c'est difficile à voir quand ils sont mûrs ou pas euh, un autre exemple qui est aussi problématique pour moi c'est que bah, je suis graphiste et comme il y a des couleurs que je ne distingue pas bah, des fois il y a des, des, des associations que je fais entre des couleurs qui ne fonctionnent pas du tout et même des fois qui sont très moches pour des gens normaux alors que moi je trouve que c'est plutôt plutôt stylé euh, Bon, euh, je suis même pas sûr qu'à mon boulot ils savent que je suis daltonien donc euh, c'est que j'arrive quand même à vivre à peu près normalement. Il euh, n'y a pas de traitement ou de remède contre le daltonisme. Il euh, y a des lunettes qui simulent la vision normale pour les daltoniens. Ça corrige un petit peu le problème, mais moi personnellement je les ai jamais testées et de ce que j'ai vu ça fonctionne pas vraiment. Euh, je vois pas vraiment quoi ajouter. Si ce n'est que il paraît que ça joue un petit peu sur le moral parce que moi d'après ce qu'on m'a dit euh, je, je vois le monde en sépia. Euh, si jamais un jour quelqu'un vous dit d'ailleurs qu'il est daltonien, ne lui dites pas euh, ah ouais c'est quelle couleur ça, c'est quelle couleur ça parce que ça sert à rien déjà et moi je vais vous mettre en lien euh, je vais vous mettre des, des photos où on voit vision normale et vision daltonienne et comme ça, ça pourra vous donner une idée de ce que c'est j'espère que cet épisode vous aura plu il aura été un peu plus court que les autres j'espère que vous aurez appris des choses n'hésitez pas à laisser un pouce bleu ou un commentaire abonnez-vous à ma chaîne youtube Suivez-moi sur Facebook, suivez-moi sur Twitter, suivez-moi sur Instagram, ne me suivez pas dans la rue et je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Salut les rouflaquettes